Plus que quelques jours pour que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, portent leur choix sur Laurent Gbagbo. Pas question pour Mme Simone Yves Gbagbo, porteuse de ce message, de prendre une pause dans la campagne du candidat de la majorité présidentielle avant la victoire finale, comme souligné à Gagnoua. Banakro, village à forte population baoulé, non loin de Payopa, dans le département de Gagnoua. La première dame est là pour entendre le porte-parole des 27 campements baoulé du canton Zabia, marquer l'engagement des populations à voter pour le président candidat Laurent Gbagbo. Elle sera pas la première dame, mes parents m'ont chargé de vous dire qu'ils prendront toutes les dispositions pour que le président Laurent Gbagbo soit réélu. À ces paroles fortes s'ajouteront celles de Mme Simone Yves Gbagbo. Gbagbo Laurent, c'est un homme qui avait gagné les élections en 2000. C'est un homme qui fait la politique depuis au moins 30 ans. C'est un homme qui s'est battu depuis au moins 30 ans pour que ce pays-là devienne un pays démocratique. Qui s'est battu pendant longtemps pour qu'on arrive au pouvoir par la voie du vote. C'est ça qui est Gbagbo Laurent. Dieu va donner le pouvoir à celui que vous aurez choisi. Si vous choisissez de garder votre pays pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, alors choisissez Gbagbo Laurent. Assez d'abord, et Camille, on va manier. Moi, et Danam, on va manier. Moi, et Mayaou, et Agnès-Com, c'est le père Agnès-Com, on va y voir ma maison, on va y voir ma maison. Avec détermination, portez votre choix sur le candidat Laurent Gbagbo, a dit la première dame à ses hôtes baoulés de Banakro, en n'omettant pas de leur montrer comment opérer ce choix ce dimanche.